m'appelle Ladislas Combeuil. Je vous présente ici mon exposition que j'ai appelée Demeure, donc, qui est à l'Artothèque de Pessac jusqu'en mars 2021. Donc, le titre Demeure évoque à la fois une grande maison, un foyer, et aussi ce qui reste sans bouger après un événement, ou voilà, ce qui demeure. Cette exposition est très librement inspirée de la gravure Mélancolia 1 d'Albrecht Dürer. Et du coup, j'ai pris mes libertés sur cette gravure pour proposer les différentes installations qui sont présentes dans cette salle d'exposition. Dans cette exposition, il y a quand même deux éléments qui sont importants. Donc, comme j'en parlais tout à l'heure, du contreplaqué arraché et de l'acier rouillé, donc, qui sont deux matériaux que j'altère volontairement et qui évoquent aussi quelque chose de l'ordre de la ruine. Et voilà, donc, cette expo, elle est comme une ruine, mais qui est en construction, voilà, étrangement. Et en fait, c'est une technique qui m'est venue complètement par erreur, en fait, où... En faisant des trous à la perceuse sur du contreplaqué, j'arrachais le contreplaqué de l'autre côté, en fait. Et du coup, cette erreur m'a amené à arracher le panneau en entier, et du coup à faire des sortes de gravures, des sortes de peintures, en fait, où la forme est très aléatoire, les coloris aussi, c'est un travail assez violent aussi. Donc j'arrache avec mon ciseau à bois et ensuite ça, les motifs se créent. Dans mon atelier, je suis avec un gant qui est rempli de mousse, avec du scotch. Enfin, ça ressemble un peu à un gros gant de boxe. Et comme ça, en fait, j'évite de me détruire la main. Et en fait, je suis assez limité du coup dans ma production parce que je ne peux pas me permettre de trop produire une journée au risque de ne pas pouvoir produire pendant 5 jours derrière. Donc j'opère petit à petit et je change mes zones de travail en fait. Du coup, je vais passer à un travail du métal qui n'est pas physique et après je vais repasser au contreplaqué arraché. J'alterne en fait pour éviter de me détruire la main. L'exposition que je présente ici, j'ai utilisé en gros le ciseau à bois, donc un gros ciseau le plus gros possible, et le poste à souder et des différentes scies. Là, pour cette exposition, j'ai beaucoup apprécié travailler le métal, donc en fait je pense que ça dépend vraiment des projets. S'il faut que ce soit du bois, ce sera du bois, il n'y a pas de préférence. Mon plaisir passe après le besoin du matériau. La différence, c'est déjà la propreté. Le métal, à la fin de la journée, on sort de la mine. Et donc le bois est un peu plus propre. Après, quoi qu'il arrive, ça fait beaucoup de bruit.